Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel, on se retrouve enfin pour le 6ème épisode de Creativeverse. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, moi ça va nickel. Enfin, je disais donc 6ème épisode de Creativeverse. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas proposé d'épisode sur le jeu. Et grosso modo pas de vidéo sur la chaîne YouTube en règle générale. Alors voilà, hein. C'est vrai que j'ai eu un petit relâchement étant donné que je suis à fond en train de jouer à Modern Warfare en ce moment. Également je suis en train de rouler avec ma nouvelle moto. Enfin bref, je consacre un petit peu moins de temps en ce moment à ma chaîne YouTube en général. Et puis en plus de ça au niveau Creativeverse, c'est que j'avais un petit peu peur avec ce qui m'attend quoi. Au niveau des mines, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Et comme vous le savez, je vous ai dit que Creativeverse c'est une série, et puis grosso modo toutes mes vidéos, j'ai envie de les tourner quand j'en ai envie. Hein, ça je vous avais prévenu dès le début, donc merci pour votre patience, et puis merci pour vos commentaires. D'ailleurs le commentaire du jour c'est celui de Watsu, donc voilà, merci à tous pour vos conseils également. Je vous ai demandé des conseils pour explorer les mines, et ça va être vraiment le bordel, parce que du coup vous m'avez dit qu'il faut être bien stuff quand même. Hein. Donc il faudrait avoir des armures en obsidienne, genre ça, vous voyez, obsidienne, breastplate, arm guards. Enfin bref, l'armure en obsidienne. Sauf qu'on a tout ce qu'il faut, sauf les Miru Eye. Pareil hein, pour l'épée en obsidienne, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les Miru Eye. C'est-à-dire, on a les os, on a la stone rod et l'obsidienne, pas de problème. Mais les Miru Eye, c'est un truc qu'on n'a pas. Et en fait, ça vient des créatures qui sont assez moches. Et je crois qu'on n'en a pas croisé d'ailleurs durant l'aventure pour le moment. Et ça se trouve dans les mines. Donc au final, il n'y a pas le choix. Il faut aller dans les mines comme ça. On est presque nu. Alors. Attendez, je viens de réfléchir en direct. J'ai pas d'armure du tout. Mais en vrai, je peux me faire une armure en cuir. Attendez, je suis complètement bête. Mais oui, je peux me faire une armure en cuir. En fait, je viens de réaliser ça seulement maintenant, les amis. Et pour ça, alors attends, parce que là, je peux faire le pantalon. Je pourrais faire les bras, mais par contre, je pourrais pas faire le torse parce que j'ai pas de vignes. Alors, à moins qu'on trouve vite fait des vignes. Ah, c'était pas prévu. Bon, écoutez, de toute façon, il faut que je me fasse pardonner. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, donc je vais me faire pardonner et je vais déjà cet épisode va être peut-être un petit peu plus long du coup. Et puis je vais un petit peu enchaîner allez deux épisodes on va dire. Je vais enchaîner deux épisodes les amis exprès pour me rattraper. Donc je peux faire il me faut des os encore, il me faut des os. Hop voilà. Donc on va faire ça, on fait le legging, enfin le pantalon quoi. Et on va faire les bras, voilà. On va pouvoir s'équiper ça tout de suite, c'est déjà équipé, c'est impeccable, regardez comment je suis beau. Je vois aucune différence, mais en tout cas, c'est équipé. Et donc, il nous faudrait donc encore... en plus, ça nous a débloqué des crafts, hein, il me semble. Non, pas du tout. Si, ça nous a débloqué ça. C'est quoi, ça? Can be worn as armor. Oh, bah attendez. Il me faut encore du cuir et du... Est-ce que j'en ai? Je dois en avoir encore. Hein. Là, j'ai encore du cuir et encore des... Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Hop, ça, c'est fait. Alors, c'est quoi, d'ailleurs? Ah, ça me l'a équipé, là. D'accord. Bon, je pense que ça me rend un petit peu plus résistant, du coup. Ah oui, j'ai 40... Je sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai 40 au niveau de protection et puis 15 au niveau de force, hein, visiblement. Très bien, d'accord. Et donc, ouais, il me faut des vignes, alors, pour faire le torse. Alors, attends, on va vite fait checker dans les alentours s'il n'y a pas des vignes. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Sinon, c'est pas grave. On va faire avec. Et puis, il faut absolument qu'on aille miner parce qu'il faut absolument qu'on découvre de nouveaux horizons. Et potentiellement qu'on découvre les nouvelles mines et puis les nouvelles créatures qui pourront me permettre de faire des armures en obsidienne, notamment. Alors, est-ce qu'on a des vignes par là? On va vite faire rush, de toute façon le soleil va se coucher d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop traîner dehors. Mais on va aller vite fait voir s'il y a des vignes par-ci par-là. En tout cas, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de retourner sur le jeu. Là vraiment on va pas se mentir, ça m'a fait quand même du bien cette petite pause. Cette petite coupure m'a fait vraiment du bien. Là on a des... c'est de la mousse ça, c'est pas des vignes hein. Qu'on soit bien d'accord. Ah là ouais, donc là on a de la laitue. Pour faire de la salade. Ah oui, j'avais ça dans mon inventaire, je sais pas comment ça se fait. Apparemment j'ai fait ça dans le processeur. Brown mushroom. Et donc ça je pourrais planter. Donc on va pouvoir faire des plantations. Donc ça va être assez marrant. Est-ce qu'on a des vignes là? Non, on n'a pas de vignes. C'est un truc de ouf. Il y a pas de vignes. Il y a du miel. Mais... ah là, il y a des vignes. Ça y est, on en a. On en a, on en a. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vraiment, je sais pas. Hein, j'invente un truc. Mais si ça se trouve, je suis sûr qu'on peut faire pousser des vignes sur des arbres. En vrai. Je sais pas pourquoi je pense que c'est possible. Donc en tout cas, si c'est possible, dites-le moi en commentaire et dites-moi comment. Même si en vrai, ça se trouve c'est pas du tout possible. Mais pour moi, c'est possible. Alors voilà, maintenant j'ai 6 vignes. Est-ce que je peux... voilà, laser breastplate, ça c'est fait. Je suis maintenant full équipé en... voilà, j'ai 70 de protection. Eh, franchement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va se téléporter à la base, hein. Ça ira beaucoup plus vite. Eh, en 5 secondes, on peut faire un trajet qu'on va prendre une minute à faire. Donc voilà, on gratte le temps qu'on peut. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va dormir? Parce qu'il est quand même 7h du soir, hein, 19h, il va être bientôt 20h, donc dormons, comme ça c'est fait. Ouais, le soleil se couche de toute façon.
On dort un petit coup, maintenant il est 5h du mat, maintenant on va pouvoir, voilà, une belle journée qui commence, on va pouvoir se faire plaisir. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que donc du coup on peut planter, ça marche là si je plante là? Voilà, je viens de planter des follow. Alors je sais pas si ça va pousser, il n'y a pas d'eau à côté. Est-ce que je peux planter aussi de la laitue du coup? Ah non, non, je l'ai mangé. Oh non, je l'ai mangé. Ok, bon c'est pas grave, ça me donne de la régène. Oh non, si j'avais su, ça m'aurait été grave utile. Non. Bon, pas grave, au moins on le sait, au moins on le sait. Le but du jeu, c'est, voilà, on découvre, hein, donc je pouvais pas savoir. Ils sont où les blocs? Ils sont là, on va ranger les blocs. Hop, ça va ici, voilà, comme ça. Et puis ça aussi d'ailleurs, hein, tout ça. Voilà, ah, ce conteneur est full. On va mettre ici, ok. Donc maintenant on est bon, on va pouvoir partir à l'aventure, partir à l'exploration. Et what the fuck? Attendez, c'est la première fois que je vois ça. Parce que pour moi, il faisait tout le temps beau, ou alors pas trop beau, mais là, c'est vraiment du brouillard, quoi. Oh là, ça fait presque peur, hein. Bon, on va pas plus s'attarder à ça. De toute façon, on va descendre en mine. D'ailleurs, j'avais pensé à un truc. On va récupérer les champignons ici. J'avais pensé à un truc. Remets-toi là. J'ai envie qu'on aille descendre ici. Regardez. Là, dans ce trou-là, en fait. J'ai envie qu'on aille partir par là. Parce que comme ça a l'air assez... Enfin, vous voyez ? Ça a pas l'air aussi catastrophique que là où on était dans le dernier épisode. Enfin, pour le moment en tout cas. Donc on va s'y aventurer, on va se faire un escalier, on va descendre, vous savez quoi. Vous voyez, ça m'a l'air assez pas mal en vrai, hein. C'est vrai que, oh là, ah bah voilà, c'est les monstres là, regardez. C'est ces monstres là qui donnent le truc dont j'ai besoin là, les murailles. Donc c'est nickel. C'est exactement ce qu'il me faut avant de descendre trop bas. Mais ils ont l'air badass, hein. Je sais pas s'ils sont compliqués à tuer. Sachez que ça me fait peur. Mais ça me fait un petit peu moins peur que les monstres qu'on a croisés dans le dernier épisode. Et j'avoue que ça me fait peur. Par contre, c'est quoi ces trucs là? Il y a des trucs vraiment... vraiment étranges. Eh mais il y a plein de monstres que je connais pas, hein. Attends, faut pas oublier de mettre des torches. C'est incroyable. Vraiment, ça me fait assez peur. Bon, on va... Merde. On va faire un escalier au mieux. Histoire qu'on puisse remonter assez paisiblement. D'accord. Ok, donc pour le moment... Ça se passe. Ok. Pour le moment, on est pas mal. Pour le moment, personne nous veut du mal. Donc là, c'est bien. Vous voyez, là, on a une petite. Voilà, là, ils peuvent pas nous atteindre, les méchants. Les méchants. C'est mignon ce que je viens de dire. Encore un petit enfant. Non, là, ils peuvent pas nous atteindre. Et donc là, on peut vraiment safe la zone. Et j'ai l'impression que là-bas, ça va être une zone qu'on a. Enfin, la zone qu'on a vue, en fait. J'ai l'impression que c'est relié. Alors, eux, ils ont l'aggro sur moi. Hein. Eux, ils m'ont capté. Lui, là-bas, il va me capter bientôt. C'est un peu le bazar. Ça, on peut récupérer, c'est de l'obsidienne. Donc on va récupérer avec le processeur. Ok. Donc ça, c'est le truc qu'il faut tuer, hein. Bon, là, il y a plein de méchants autour de moi d'un coup. Oh là, ils sont vénères maintenant. Alors, est-ce qu'il peut m'atteindre? Oh là. Bien sûr qu'ils peuvent m'atteindre. Je me casse. Ah! Pardon. Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça m'a fait peur, désolé. Ça m'a fait terriblement peur. Alors, voilà, allez-y devant, hein, les cochons, vous êtes gentils. Ça m'a fait peur, hein. Je suis désolé pour le cri. Viens voir, c'est un dauphin ce truc. Ça va, ça a l'air mignon ce truc. Il est passé où? Ah, il est tombé. Il y a eu un petit freeze, il est tombé. Il m'a fait extrêmement peur. Oh, on peut voir à travers les murs, regardez. Oh là, il y a des beaux trucs à voir, hein. Putain. Donc en fait les monstres ils peuvent m'atteindre. J'ai dit des bêtises avant, hein. Les monstres peuvent m'atteindre. Oh là là, ça me fait peur. Ça y est, j'ai de nouveau peur. Mais ça a l'air mignon en plus ce machin là. Enfin, je sais que c'est méchant mais... Alors ils crament pas au soleil, hein, ces trucs là, hein. Eux ils crament, mais eux ils crament pas, donc c'est assez pénible. Je vais un peu agrandir l'escalier, hein. Histoire qu'on soit mieux, hein, parce que là... c'est pas terrible. Oh là là. J'aime pas ça. Ah si, lui il crame. Ah si, d'accord, ça crame ça. Ces machins là ça crame, d'accord. Moi ouais, mais du coup je suis en train. Ils sont en train de perdre leur Moi j'aimerais récupérer leur loot en fait. Donc cramez pas en fait. Ah non, c'est dommage. Je suis en train de gâcher leur loot. Enfin ils sont en train de mourir tout seuls, hein, mais c'est dommage. Bon attendez. Du coup il reste plus que lui en fait, hein. Ça se passe. Vas-y viens voir. Est-ce que tu veux venir? Il veut pas venir. Moi ça me fait peur. Allez viens là. Il fait quoi? Ça y est, il vient, il était temps. Non, il vient pas. Putain, alors là. Il s'est barré.
Non, je l'entends encore. Ça doit être lui qui fait ce bruit. Attends, on va en profiter pour torcher. Bon, franchement, les frérots, ce retour là sur Creative Earth, il m'aurait fait peur. Hein. Je m'attendais pas à me chier dessus autant. Hein. C'est fou hein, comment ce jeu peut faire peur. Bah, surtout parce que j'ai pas les techniques. J'ai vraiment pas la maîtrise du jeu, quoi. Ah oui, il est là. J'ai vraiment pas les bons réflexes, un peu comme maintenant sur Minecraft et tout, tu sais comment gérer, quoi. Mais il a peur de moi ou... Écoutez, je progresse. Donc là, on est à un cul-de-sac, c'est pas mal. Allez, viens voir. Ah, mais il a peur de moi. Ah, il a peur de moi. Attendez, il a peur de moi. Attendez, on va le tuer. C'est bon, je l'ai eu. Il nous donne quoi? Oh là là, c'est ça les Arkstone. C'est le truc qu'on voit. D'accord, le truc qu'on voit en haut, regardez, vous avez vu le fossile sur le truc géographique en haut. Et ce que vous m'expliquez en commentaire, c'est ça. Donc c'est ça le fossile. D'accord. Bah, j'ai bien fait de descendre par ici parce que ça a l'air plus sympa. Hein. Bon, ça a l'air beaucoup dangereux. Mais on voit un peu plus clair. Mais c'est quoi? C'est des monstres ça ou c'est des roches? Oh putain de sa mère. Fait grave mal. Il fait mal. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est facile à tuer. C'est facile à tuer et ça donne seulement une miru. Aïe. Donc là, je peux crafter à peine. Ouais, vas-y, viens. On enchaîne, on enchaîne. Vas-y, vas-y, c'est le moment. J'ai pas les bonnes techniques, hein, mais. Oh non, son stuff a disparu. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça qui va nous permettre de crafter donc les armures en obsidienne, etc. On va par où? Je sais pas par où aller les amis. Attendez, soyons méthodiques. Je vais juste mettre les champignons qui me régènent juste à côté des torches. Alors, c'est quoi ça? Donc ça c'est enflammable, hein. C'est de l'eau minérale. Et pour miner ça, il faut de la mining cell en diamant. Et apparemment ça brûle. Ce que vous m'aviez expliqué, un commentaire anglais également, un big up. Ah ouais, ça rejoint, regardez, ça rejoint, il y a des torches là-bas. C'est là où j'étais dans le dernier épisode. Bah parfait du coup, j'ai bien fait. Mais du coup apparemment ça nous régène. J'ose pas aller dedans, mais ça nous régène. Et mais par contre c'est grave enflammable. Par contre c'est quoi ce qu'on voit autour? Je me demande c'est... Est-ce que je vais dedans? Est-ce que j'essaye? Oh mais oui. Ça donne de la régène. Donc en fait la poudre qu'on voit là autour de lui, c'est pas méchant. En fait c'est juste qu'il est en train de régène. Oh là. Bon lui c'est bon il va. Ah bah c'est un qu'il me faut, viens voir. Yes. J'en ai récupéré une deuxième. Oh 3. Oh, il en a looté 3. Donc ça en fait 4. Oh c'est bon ça. C'est excellent. D'accord. Eh ben tu vois, ça change beaucoup de choses maintenant que je viens d'apprendre ça. Parce que bah du coup j'avais peur de ce truc là. Par contre c'est grave inflammable apparemment. Alors on va essayer. Ah, ça l'a pas fait. Mais je croyais que si on mettait de l'eau, ça prend feu. Donc ça peut être très dangereux, je sais plus. Je sais plus trop. Alors, attendez, est-ce que je peux crafter? Bah non, j'ai pas pris sur moi les machins. Mais voilà, pour faire l'obsidienne, vous voyez, il me faut 4 miru high, donc c'est ce qu'il me faut. Par contre, la musique, elle fait peur, vous l'entendez? C'est une nouvelle musique que j'ai jamais entendue. Elle est belle, la musique, en fait, elle fait pas peur, elle est mythique. On se croirait dans Stargate, pour ceux qui ont la ref. Attendez. Il faut absolument que j'augmente le son de la musique. Excusez-moi, mais j'adore la musique. Hein. Vous m'excusez? Ah, il y en a un autre là. C'est mes poteaux maintenant, eux. Ils sont faciles à tuer au final. Bon, ils font mal. Hein. Ils font mal, mais ils sont faciles à tuer. En tout cas, j'adore la musique. Hein. Alors là, on peut récupérer, c'est du charbon aussi. Hop. On va progresser quand même. Hein. Et alors, ça, c'est quoi? Du coup, je sais toujours pas c'est quoi, ça me fait peur. Ça se trouve, c'est absolument gentil. Non, mais c'est un méchant. Oh, puis il y a un autre méchant, un vrai par contre. Oh, il m'a cramé, je me casse. Non, non. Eh, c'est compliqué à sortir de l'eau par contre. Ah ! Ça va ? Bon, là déjà, il n'y a pas de méchants qui peuvent arriver par là, donc ça c'est bien. C'est bon à savoir. Vous voyez, là je suis safe. Donc j'ai bien fait de descendre par là, je suis fier de moi, sachez-le. Bon, allez, viens, mec, tu sais. Ça sert à quoi ça, sans déconner ?
Attends, on va aussi récupérer. Oh, pardon, il m'a fait peur encore une fois. Hein. Bon, il va crever tout seul, il va crever tout seul. En principe, il va crever tout seul. Ouais, il a crevé tout seul, c'est bon. On va récupérer là aussi tout ça. Ah, les amis, ce jeu me fait flipper. Donc, c'est quoi ces trucs? Non, mais c'est des méchants, ça, c'est des créatures. Ouah, la mise au point, il fait tout noir d'un coup. Attends, c'est le moment de mettre des torches. C'est le moment de progresser. Mais ça a l'air d'être des créatures endormies. Mais après, c'est peut-être des roches. Hein. Puis j'ai franchement dit, je penche à me dire que c'est des roches. Et ceux qui le savent, vous devez vous foutre de ma gueule. Mais j'ai peur que... Franchement, ça a des têtes de créatures. Mais on va voir celui-là, là, celui-là. Ça a l'air plus safe. Non, c'est des créatures. De ouf. De ouf. C'est une créature. Elle a tourné sa tête. C'est un dragon, ce truc. C'est un dragon. Vous avez vu ou quoi? Il avait une tête de dragon. Alors, ah, toi, tu m'intéresses. Tu m'intéresses vachement. Alors, il peut nous éblouir, hein, ce monstre. Hein. Je me suis renseigné, d'ailleurs, apparemment. Ah, j'ai pas récupéré son... Chier. Ouais, par contre, ouais, ça fait peur, ces machins-là. En fait, c'est des... Regardez-le. Ah ouais, c'est ce qu'on avait vu, du coup, dans le dernier épisode. Oh. Ça a l'air badass. Ça a l'air badass as fuck. Hein. Et lui, maintenant que j'ai réveillé... Alors, là, vous voyez, c'est vraiment un truc que je vous demande en commentaire. Sincèrement, si vous pouviez me dire... J'ai un petit peu moins peur, mais si vous pouviez me dire comment appréhender cette créature. Maintenant que je vois à quoi elle ressemble, que je suis sûr que c'est une créature, comment on fait pour avoir ce truc? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il envoie du feu? Bon, je pense qu'il envoie du feu, hein, sincèrement. Comment s'appelle cette créature? Etc. J'ai besoin de renseignements. Ça a pas l'air... Genre, je sais pas, on n'a pas un arc sur ce jeu, genre, pour leur tirer dessus? J'ose pas trop m'en approcher, hein. Surtout avec le stuff actuel que j'ai. Donc, pas trop envie de... Bah, j'ai... Attends, déjà, je vais récupérer là mes dûs. Voilà, donc là, j'ai récupéré du charbon. Encore en dessous. Et donc là, il faut faire du diamond mining cell. Mais tain, on a toujours pas de diamant. On a trouvé un peu de fer, il me semble, hein, mais... Ouais. Genre, ça va, mon pote? Et il fait peur, hein. Il fait peur de ouf. J'ai trop envie d'essayer. J'ai trop envie d'essayer, mais j'ai trop peur de mourir. Enfin, c'est même pas que j'ai peur de mourir, c'est juste que j'ai peur. Oh, l'autre, il s'est réveillé. L'autre, il s'est réveillé à côté. Puis il y a une petite musique fun. Alors là, je comprends pas le pourquoi du comment. Bon, on fait comment? Reste là-bas, petit crabe. Reste là-bas. Ok, déjà il s'est tourné vers moi, il m'a fait peur. J'ai pas eu le temps de voir le nom du mob, j'aurais dû voir. Putain, il me fait peur de ouf. J'ai l'air d'un con, hein. J'ai l'impression qu'il peut pas bouger, mais en même temps je sens qu'à tout moment il va me sauter dessus. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je mettrai un sondage, mais après le plus important c'est ma façon de jouer. J'aimerais le gameplay, je vais enlever la troisième personne au combat. C'est-à-dire que quand je vais dégainer mon épée, hop, voilà, je la dégaine dans ma main directement. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité dans les mines. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Je mettrai un sondage en haut, si j'y pense. Et en espérant que ça vous dérange pas trop, quoi. Mais là, au moins, vous voyez, j'ai une bonne visibilité. Et là... Ah oui, d'accord. Alors, il bouge pas, hein. Il bouge pas, mais il fait mal. Alors, si je vais dans l'eau, ça me régène direct. D'accord. Ah, donc c'est peut-être pas si compliqué que ça. Alors, il est dur à tuer. Ça, c'est clair. Alors, là, je l'atteins. Mais lui, il m'atteint pas. Là, il m'atteint pas de là où je suis. Attendez, c'est excellent. Moi, je suis tranquillement en train de régénérer en même temps. Bah, voilà. Bon, c'est compliqué à tuer, vous avez vu. Et ça nous donne... Ouah, des dents et du fossile. Ah ouais, donc c'est juste des trucs... Ok, en fait, donc ça... Mais non. Ne me dis pas que c'est ça que j'avais vu dans le dernier épisode et qui m'a fait peur. Parce que si ça fait seulement ça, bah ils sont complètement nuls. Il suffit juste de pas trop s'en approcher. Et voilà. En fait, ils servent à rien. Regarde. On se croirait dans Mario. Non, il va rien faire là. Non, il...
Ah, il me semble que c'était ça que j'avais vu de loin. Putain, en fait, c'est tout con. Eh, mais si vous me l'aviez dit en commentaire, moi, j'aurais rush. Eh ben voilà, et donc là, on rejoint... On rejoint ici. Fantastique. Ouais, non, par contre, il y a d'autres méchants, évidemment, mais... D'accord, ben voilà, mais il suffisait de me le dire. Et ben voilà, ben là on progresse, là je suis content. Là je suis grave content, chers amis. Parce que là au moins, ça me fait un tout petit peu moins peur. Je sais un peu plus à quoi m'attendre au niveau de ces mobs. Ces mobs là par exemple, je sais que ils me feront pas grand chose normalement, si je m'en approche pas trop. À moins qu'ils me crachent du feu à tout moment, mais chose qui m'étonnerait. Là ça vous, c'est un cul-de-sac? C'est un cul-de-sac, oh là, il y a des nouveaux trucs. Dans sa mode on a déjà eu, c'est quoi? Sealstone. Apparemment on a déjà eu ça, c'est quoi? Oh, iron. Oh, on a du fer, ça y est. On a encore du fer, impeccable. On a trouvé du fer. Donc ça c'est vraiment top. Donc là voilà, on est dans des mines et tout. Je suis seulement avec un stuff en cuir, hein. Ça me fait plaisir. Ah! Ah sa mère, attends, sa mère l'hypopète. Comme diraient les jeunes. Ah oui c'est vrai, maintenant j'ai plus la troisième personne, c'est bien. C'est vrai que c'est, ça va être pratique quand même. Ah ouais, il fait mal, hein. Il fait mal de ouf. Et je lui mets pas grand chose dans la gueule, hein. Oh, il m'a ébloui, ça y est. Je suis dans la merde. Ouah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. T'entends? Ah! Pardon. Vas-y, viens à la lumière, mec, c'est bon, je suis dans la merde. C'est bon, il est mort, mais malheureusement, il est mort du feu. Donc j'ai rien récupéré, tout ça pour ça. Vas-y, vite, régène. Oh là là, et c'est dur ça, par contre, ouais. Attends, on va prendre la magnétite. Vivement, on va très vite se faire le stuff. Par contre, il fait nuit dehors. C'est un mauvais bail. Il fait nuit dehors. Donc ça doit grouiller de monstres là-haut. Bon. Bon, je suis content, on a bien avancé, d'accord. Alors, je vais juste récupérer mes dus et on va se TP à la base, vous savez quoi. On va pas perdre tout ce qu'on a récupéré. Hein. Franchement, on va quand même pas... Là c'est quoi ça? C'est de l'obsidienne. Attends, on va attendre que l'obsidienne se fasse. On récupère l'obsidienne et on se TP à la base. Et attends, je peux encore récupérer des trucs là, à moins qu'il y ait un méchant, non? Pas de méchant. Ah là-bas il y a un autre monstre. Mais je crois que c'est le même. Ça a l'air d'être le même. De loin j'arrive pas trop à voir. Attendez, je vais me concentrer. Ah non, c'est pas... Je crois pas que ce soit le même. Ça doit être en fait lui qu'on a vu dans le dernier épisode. Je sais pas, ça se peut c'est le même. Mais dans tous les cas, maintenant ça me fait plus trop peur. Enfin... Les monstres là ne me font plus trop peur, dans le sens que on va être bien équipé. En tout cas ces trucs là ne me font pas peur, donc, mais il me semble que c'est la même chose là-bas. Donc si c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai que là les trucs qui nous aveuglent, et dont on a besoin hein, pour ce stuff, ils me font peur, parce qu'ils font grave mal. C'est impressionnant comment ils font mal. Alors attendez, il est où mon... il est là. Voilà, c'est quoi que j'ai récupéré? Du charbon. Très bien. Et il est où l'autre? Parce que là j'entends la musique d'un extracteur mais je sais pas où il est. Ah, le fer en bas. Mais attendez, parce que là, il va y avoir les monstres. J'ai peur. Bon, j'y vais quand même. En attendant, je mange du champignon. Ah, c'est même pas fini, ça prend du temps. Hein. Et il y a encore du fer derrière. Mais j'ai plus d'extracteur. Bon. Bah, ce qu'on va faire, est-ce que je peux crafter un téléporteur? C'est ici. Non, ça, c'est de la lumière. Téléporteur. Non, j'ai pas sur moi. Bon. Eh bah, écoutez. Parce que... Ah! S'il te plaît! S'il te plaît, c'était typiquement ce que je voulais pas que ça m'arrive. C'est bon, je me casse. Il est juste derrière. Oh les frérots quoi. Vite, on dort et on oublie ce qui vient de se passer. Oh là là, j'ai eu très peur. C'est vraiment l'épisode de... j'ai encore pu... Eh, c'était tendu en vrai. Heureusement... Non, franchement, heureusement que j'ai enlevé le... J'aurais même pas mis de sondage finalement en haut à droite pour la vue de la troisième personne. Parce que clairement, c'est impossible autrement quoi. Oh, c'est bon ça. Je me suis sauvé la vie. Il était juste derrière au moment où je me faisais téléporter. Bon. Ce que je disais, c'est que je voulais faire un téléporteur comme ça. Du coup, j'aurais pu me téléporter directement là-bas. Mais au final, on y retournera à pied. Après, c'est juste à côté en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Du coup, attends, on va juste ce stuff. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Mais d'abord, on va ce stuff, ce qu'on peut faire. Donc, je sais qu'on a besoin de ça, de ça. Peut-être, je sais pas si on a besoin de vignes. Mais je les prends au cas où. On aura besoin de ça. On aura besoin donc. Ça, on aura pas besoin. Les os, on a besoin donc. Les rocs aussi.
Et on va voir. Du coup, pour se crafter. Alors attends, juste on a combien de. On en a 5, d'accord, ouais. Parce que pour en fait, pour faire une épée en obsidienne, il en faut 4. Alors, l'épée en pierre, les damage, c'est 15. Vous le voyez en bas à gauche, hein, du machin. Et l'obsidienne sword, c'est 30, donc c'est le double. Donc c'est pas négligeable. C'est un truc à prendre en priorité, quoi. Et au niveau de l'armure, là, on n'a pas de point de protection. On sait pas comment ça protège. Mais par contre, on sait que ça donne le double. L'épée en bois, c'est 10. L'épée en pierre, c'est à peine 5 de plus. Donc là, vous voyez la différence entre l'obsidienne et la pierre, c'est pas négligeable. Donc, on va faire l'épée en obsidienne. Pour ça, il faut aussi de la stone rod et de l'obsidienne. Alors, attendez, l'obsidienne, j'en ai. Ah, mais attends, il faut aller dans la forge, il me semble. C'est ça. Il faut aller dans la forge, puis on va utiliser le charbon, du coup. Ouais, mais non, la flemme, on va pas utiliser le charbon. Parce que, pour faire des torches et tout, vous voyez. On va utiliser le bois. Bah ouais, on va pas faire du gâchis, quand même. Autant utiliser le bois. Du coup, voilà, c'est parti pour donc l'obsidienne. On a dit obsidienne et il faut de la stone rod. Bon, la stone rod, je dois en avoir. Hein. Là, j'en ai vu là. Ici, impeccable. Donc, on va se faire ça. Et donc, il nous restera encore une miruaille. Alors, pour faire le plastron, il en faut 2. Pour faire les bras, il en faut 1. Pour faire les jambes, 1. Et ça, je sais pas c'est quoi, mais il en faut 2. Je pense que ça doit être... Je ne sais pas ce que c'est ça. Ah bah c'est à la tête. C'est comme le casque. Enfin c'est le truc là qu'on a déjà là, le leather pauldron. Pauldron pardon. J'ai un accent nul, mais nul. Donc du coup on fera soit les jambes, soit les bras du coup. Hein. Voilà, c'est le prochain truc qu'on va faire. Voilà, c'est parti. Donc là déjà. Non, en priorité, attends, on va pas faire de bêtises. Donc on va faire l'épée. Ah, il me manque encore une obsidienne. On y est bientôt. J'ai hâte qu'on soit... Qu'on soit équipé, hein. Mais je suis content comment on avance parce que c'était mal parti, hein. Le début d'épisode était mal parti, je pensais qu'on n'y arriverait pas. Hop, nous avons, voilà, en plus on a débloqué l'épée en fer. Oh là là, surtout qu'on a déjà du fer. Comment ça se craft l'épée en fer? Oh là là, attendez, alors ça on a. Il nous en faudrait un deuxième. Donc c'est les machins là justement qui me faisaient peur mais qui sont nuls. Il faut de l'iron bar. Bah j'en ai assez, j'en aurai assez. Et alors ça par contre c'est quoi, du feral pixie four? C'est quoi ça? C'est du... Ça vient des pixies? Mais je pense que c'est des pixies spéciaux en fait. C'est les... Ouais, ça doit être les monstres dans les cavernes en fait. D'accord, bon, on n'y est pas encore. Mais on y est bientôt. Finalement. Donc c'est ça ce qui est assez incroyable. Donc on a ça. Donc on va pouvoir se faire ça par la suite, l'Iron Sword. Moi ce que je veux, donc on va faire les bras. On va faire les bras. Ouais, je pense plutôt que les jambes, le plus important c'est les bras. En vrai, là où on est le plus vulnérable, c'est les bras. Qu'on soit bien d'accord. Du coup voilà, on va l'équiper. Parce que voilà, ça l'a pas équipé. Donc on enlève les bras en cuir. Et on met le... Enfin les bras en cuir, la protection en obsidienne au niveau des bras. Voilà, donc là l'épée pareil on enlève. On met l'épée en obsidienne. Là voilà, on est quand même mieux. 80 en protection, 30 en attaque. Non mais je pense que ça ne veut rien dire ça, hein. Ah bah si, 30. Parce que c'est... Oui c'est ça. Enfin du coup voilà. Bon bref, et je pense que là on est quand même... on est déjà bien mieux. Donc j'en suis assez content, hein. Je suis assez content, on va pas se mentir. Je vais trier les coffres. On s'en arrête là pour cet épisode. Je vous retrouve très rapidement pour le prochain épisode. Je vais le tourner à la suite, vous savez quoi. Mais par contre, répondez à mes questions dans les commentaires, bien évidemment. Mais voilà, je vais enchaîner par la suite. Hein. Donc on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu celui-là, parce que c'était vachement cool. Je suis assez content. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas de lâcher votre plus grand pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Puis rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. C'était Mkolo, ciao tout le monde !